Salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, aujourd'hui dimanche 4 juillet, déjà 109e jour. Et voilà, nous commençons nos sessions aujourd'hui. Ce sera très cool. Ce sera l'affirmation, l'initiation de la méditation de 5 minutes. Et on va pratiquer 5 minutes de gratitude. Et ensuite, on va continuer avec notre lecture et explication de jour 7, le jour 7 aujourd'hui, ok, qui est The Magical Way Out of Negativity, ok, comment nous trouvons ça, moyen magique pour nous sortir dans la négativité, ok, allez, à tout de suite. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Encore une fois, donc, une tarde pour commencer parce que je suis pas tan encore 20 personnes pour entrer. Ok, maintenant, au mieux de tout, et nous commencer. Très bien. Allez, arrête. Donc voilà, si vous êtes confortablement. Okay. Les deux appuyés, les pieds lâchés. Ok. Et là commence, ferme les yeux. Reconnectez-vous avec vous-même. Merci pour ce beau dimanche qui pète à nous. Merci pour ce jour de plus qui nous aide à nous la vie. Depuis qu'il nous nouvelle le matin. Et là, on nous la met devant. Aujourd'hui, l'affirmation, c'est I meditate with joy and without resistance. Je médite avec joie et sans résistance. Ok, nous répétons cette fois. I meditate with joy and without resistance. Je médite avec joie et sans résistance. I meditate with joy and without resistance. Je médite avec joie et sans résistance. I meditate with joy and without resistance.
Je médite avec joie et sans résistance. I meditate with joy and without resistance. Merci, merci, merci. Ok. Donc, dans la même foulée, ok, dans la même foulée, relaxez-vous. Ok. Amitié à ça, plutôt, parce que ça. Dans la même foulée, on a fait 5 minutes de gratitude. Ok. Donc, mettez-nous confortablement. Pareil, à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Nous allons nous pouvoir relaxer nous. On a fait 5 minutes de méditation. Ok. Et ensuite, on fait 5 minutes de gratitude. D'accord? Allez, très bien. C'est bon, la voix pas trop doucement. On baisse la musique un petit peu. Les bons de gagner la musique là pour ça et zut. Pour dirige zut l'esprit. Aide-nous à recentrer. D'accord? Allez, allez. Une familier. Assisez-vous confortablement. Ok. Et profite ça quelques minutes qui nous bouffaient de respiration pour apaiser nous-mêmes. Donc là. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de succès. Avec nous-mêmes, dans l'expérience. On peut être connecté avec nous-mêmes. Relaxez-vous. Laissez-vous guider par moi là-bas. Et respirez naturellement, sans forcer. Laissez l'attention aller aux respirations. Ou expiration. L'attention de nos poitrines qui peut gonfler quand nous respirer et qui peut dégonfler quand nous expirer. Et là, relaxez tous les corps. Le visage, le cou, l'épaule, les bras. Le chest, la jambe, ou les pieds collés par terre. Concentrez l'eau l'air qui peut rentrer dans votre écran. Sentez ça l'air frais. Qui peut rentrer dans nos narines et passe par nos tubes. Il peut aller dans nos hanches. Appréciez votre respiration tranquillement. Ça.
senti frappé rentrer. Et quand il sortit, senti un peu chaud. Si jamais l'esprit paie à la place, c'est normal. Réamène-y tranquillement, réconcentré. Là où l'écho, là où respiration. Petit à petit, nous sentons nos respirations devenir plus silencieux. Relax. Observe les corps, comment il est relâché. Tranquillement. Reconcentrez le point de contact qui se tient, que vous avez assisé. Le dos, les fessiers, la jambe. Les pieds, les mains, les vêtements que vous portez, relax. Et là, dans la même foulée, continue avec 5 minutes de gratitude. Toujours les yeux fermés ou à mi-clos. Merci à la vie qui me donne l'occasion de me réveiller le matin. Merci à la vie de me donner le courage d'affronter les situations les plus difficiles. Merci à la vie de me donner la force de me relever quand rien ne va plus. Merci à l'univers de me donner des solutions à mes problèmes. Merci à l'univers de tout le temps me guider les pas et me faire vivre des expériences. Même les plus douloureux, pour venir plus fort de jour en jour. Merci à la vie de me découvrir l'homme ou la femme la plus courageuse telle que je suis. Merci pour les rires. Merci pour les pleurs. Merci pour les doutes.
Merci pour les solutions. Merci de voir le positif. Chaque situation. Je me remercie pour tout le chemin que j'ai accompli et que je vais accomplir. Merci à mes peurs, à mes blocages qui voulaient me protéger. Merci à tout l'amour que j'ai reçu dans ma vie et que je continue à recevoir. Merci au temps qui passe et qui me fait réaliser que je dois profiter chaque instant précieux. Merci à toutes les personnes aimantes qui m'entourent. Merci à mon corps qui me porte à chaque seconde. Merci à l'univers de m'avoir donné ce corps et de me permettre de vivre les expériences les plus incroyables. Merci à mon corps de se développer et de se régénérer, chaque cellule par cellule, automatiquement. Merci à mon corps, le vessie que je dois prendre soin de mon corps. Merci à mes sens de me guider dans la vie. Merci à la vie. Merci pour cette incarnation. Me permettre de me découvrir de jour en jour. Merci, merci, merci. Et petit à petit, tranquillement, reconnectez avec une bonne son autour de vous. Vous êtes les doigts du pied, tranquillement. Vous êtes mollets, vous êtes tibia, vous êtes la jambe, le bas du dos, la hanche, l'épaule, les bras, les doigts, le cou, la nuque. La tête et tranquillement ouvrez les yeux.
Et voilà. Tranquillement le réveiller. Très bien. Ok. Super, top, génial. Right. La donne des mondes. Right. Écoute, tout le temps, ne pas gagner les temps à aller. Tellement il y a la responsabilité, tellement de choses à faire dans la vie. Et voilà, écoute, nous capables de prendre 5 minutes que pour nous, nous-mêmes. Et à n'importe quel moment de la journée, nous capables de faire cet exercice-là pour nous recentrer. Recentrez-nous. Recentrez avec vous-même. Et nous dire merci à notre corps et âme, à cette incarnation. Qu'est de pouvoir vivre l'amour inconditionnel. Là où nous partons, où nous marchons, où nous allons. Ok, alright. Donc voilà, nos chapitres aujourd'hui, nos jours 7, qui est merveilleux, qui tombe bien, par contre. Ok, super. Alright. Ready guys, ladies? Pareil? Ok. Ok, jour 7. The magical way out of negativity. Ok. Ok, Baha'u'llah. Ok, 1817-1892. Right, c'est un fondateur de la... du groupe Baha'i, vous en désattendez. Right. Et il dit comme ça, a thankful person is thankful under all circumstances. Une personne qui pratique la gratitude, une personne qui dit merci, ben, c'est une personne qui, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit bonne ou mauvaise, la personne dit toujours merci. Ok. Donc, nous allons écouter ensemble comment nous capables éliminer la négativité et comment nous capables shifter avec nous l'esprit. C'est ça qu'on appelle paradigm shift. Il ne faut pas qu'il telle ou telle situation d'affecter nous. Whether it's a relationship in turmoil, même si c'est une relation qui tient, nous allons dire, un bout de fil, une situation dérangeante, une relation que on appelle ça battre les ailes, financial pressure, right. Un problème de finance, a lack of health, nous la santé pas trop correcte, right. Un manque de santé, or problems in the job, nous avons un problème dans le travail. Negative situations arrives because of lack of gratitude over a long period of time. Mais une situation négative surmontée quand il y a un manque de gratitude pendant une longue durée qui nous permet de pratiquer. Là, nous trouvons ça dans les affaires là. Et vine vers nous. Si jamais, right, nous prenons conscience aujourd'hui que si nous trouvons ça dans une situation là, et paraître devant nous lisier,
Donne-nous la vie. Alors, qui nous faisait dire? Voilà, il y a une manque de gratitude là. Il y a une manque de gratitude. C'est pour ça que ça vient vers moi. Que c'est pour ça que cette situation vient vers moi. Vous voyez dire, c'est un manque de gratitude qui nous peut faire pendant une longue période de temps. Et voilà que dans la tiali, il y a là. Dans la tiali, la négativité. If we are not grateful for each thing in our lives, si nous ne disons pas merci pour chaque chose qui nous est donnée la vie, we are unintentionally taking those things for granted. C'est-à-dire, inconsciemment, avec pas de l'intention, nous pouvons prendre tout comme granted, comme acquis, comme, comment dire, nous pouvons donner, nous pouvons gagner ça. Non, non, n'y est pas donné, non, n'y est pas gagné. Alors, quand nous vivons dans une situation mentale comme ça, que mon droit, ça m'oblige à gagner. Non, nous pouvons mal faire, nous pouvons donner un mauvais espace. Nul n'est acquis. Nul n'est acquis. Donc quand nous gagnons, nous disons merci. Donc si nous pas gratifiant, si nous pas gratifiant, si nous pas reconnaissant pour chaque chose qui nous gagne, ben voilà que nous poitiers à la négativité. Quand nous commençons à prendre la vie comme acquis, quand nous commençons à prendre ça comme acquis, prendre l'autre comme acquis, et ainsi de suite. Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. Quand nous prenons tout comme acquis, nous ne pouvons pas donner le remerciement, la gratitude, right, en retour. And we stop the magic happening in our life. Et nous arrêtons ça, la magie continue dans la vie. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing. Pareil, comment nous dire merci aux autres. Et voilà que l'y continue augmente la magie qui vient vers nous. So must taking things for granted always lead to our life decreasing. Si nous prenons tout comme acquis, right, et voilà que nous trouvons la magie pour diminuer et nous la vie aussi, le cours de la vie aussi pour changer. Are you grateful for your health when it's good? Est-ce qu'il nous dit merci pour la santé quand nous sommes bien? Nous sentons-nous bien dans la peau? Est-ce qu'il nous dit merci? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Ou soit, c'est là qu'il nous va prendre conscience qu'il nous les cause malade. Ou soit, il gagne du mal. Il gagne douleur. C'est ce moment-là, c'est là qu'il nous va prendre compte qu'il, effectivement, nous donne la santé. Qui nous apprend compte, qui nous a remercié. Are you grateful for your job every day? Est-ce qui nous dit merci pour le travail qui nous a tous les jours? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Right. Soit quand c'est un moment-là qui, comme on dit, nous vous prend compte, nous dit merci, nous travaille. Quand nous pouvons avoir un retour, right? Quand nous pouvons avoir un retour, ou soit nous pouvons trouver une situation que peut venir, que nous pouvons avoir un licenciement dans le travail. Et là qu'il nous voit prendre compte qu'il nous dit merci, il nous travaille tous les jours.
Okay. Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Est-ce qu'il nous dit merci, nous la paye, du salaire, à chaque fois que nous recevons? Or do you take your pay or salary for granted? Ou ça nous prenons comme acquis? Mon droit ça, mon besoin gagner ça. Là, tout a été la guerre pour la guerre. Ouais, tout comme acquis. Où ça nous fait ça? À partir d'aujourd'hui, chaque la paye, salaire qui est versé, première chose, nous dire merci. Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers vos proches qui vous aiment? Quand tout est ok, quand tout va sur les roulettes. Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Ou ça nous parle cause nous mêmes proches juste quand nous commençons à gagner des problèmes. Are you grateful when your car is working well? Est-ce qu'il nous dit merci, nous l'auto qui peut marcher très bien? Or do you only think of your car when it breaks down? Ou ça, c'est à ce moment-là qu'il nous peut réaliser, ah, maintenant l'auto qui on nous a pris en compte, maintenant l'auto qui on nous a dit merci, jusqu'à les casser. Mais là, nous pas trop son importance. Pareil, juste quand nous malades, c'est là qui nous va prendre compte sur l'importance. Quand tout va bien, nous avons une tendance à prendre tout comme acquis. Pareil, comme ma petite Diamond Dimoun, quand est-ce qu'il nous prend compte de la santé? Quand nous parlons d'aura Lily Blanc, le drap blanc de la clinique de l'hôpital, là, à ce moment-là, qui nous prend compte de la santé? Est-ce qu'il nous avine dans une situation comme ça pour nous prendre compte de la santé? Ce sera trop tard. Are you grateful to be alive each day? Est-ce qu'il nous dit merci que nous vivons tous les jours? Or do you take your life for granted? Où ça nous prenons la vie et bon Dieu, donne-moi ça, correct ça. Mon poumon, libre, donne-moi encore ça. Si nous pouvons faire comme ça, si nous pouvons commencer à réagir comme ça. Mais voilà que nous bâtissons la négativité. Une simple petite affaire, nous peut dire merci, qui ne coûte rien. Il ne coûte pas un sou, un dollar pour nous dire merci. Il n'est pas pareil, il n'est pas coûte un sou, un dollar. Vous nous souriez. C'est un truc simple. Taking things for granted results in complaining. Quand nous prend toutes les choses dans la vie comme acquis, et voilà ce résultat, c'est quoi? C'est nous perdre vers les complaintes. Nous commençons à complaindre. Nous pouvons faire complaindre nous pour les mêmes. Ok. Negative thoughts and words. Quand nous prenons tout comme acquis, et voilà que nous commençons à vivre un mot négatif, nous gagnons une mauvaise pensée négative, et voilà comment nous la bouche pour commencer à plaigner. Complaining, 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 never satisfied, jamais satisfait. Ok. So when you complain, by the law of attraction,
You must bring more things into your life to complain about. Avec la loi d'attraction, est-ce que nous comprenons comment il marche? Ça veut dire que nous pouvons faire des complaintes, quand nous avons des causes négatives. La loi d'attraction qui peut faire? Les poids apporte encore des choses pour faire complainte. Les poids apporte encore des choses pour causes négatives. Les poids apporte encore des choses encore pour comment se pense, continue pense négatif. Vous comprenez? Donc, if you're complaining about the weather, nous lever grand matin, nous ouvrir, nous risquer d'eau, nous ouvrir la fenêtre, nous guetter d'eau. Ah, jo, la pluie encore aujourd'hui. Ah, jo, nias gris, noir. Là, nous dire, ah, jo, pas pour mettre l'insecte encore aujourd'hui. Right? We complain about the weather, les temps. We complain about the traffic, right? Traffic, le chemin. We complain about your boss, nos boss, nos patrons, nos directeurs, nos managers. Nous pouvons faire complainte for your spouse, avec ou époux ou épouse. Complainte ou la famille. Leur famille, complainte leur camarade, a friend, complainte a stranger, un étranger, waiting in lines, nous plaignons même, nous pouvons faire la queue, nous plaignons même, nous besoin pas savant, ouais, nous pressés, nous plus pressés qu'il l'autre là. Nous faire complainte à travers mon bill qui m'en a pour payer, mon courant il mine trop beaucoup, mon délai il augmenté. Et ainsi de suite, mon téléphone est augmenté. Nous pouvons faire complainte à l'économie de nos pays. Nous pouvons faire complainte à toutes les affaires qui nous persistent. Le coût peut augmenter. Nous pouvons faire complainte pour le service d'une compagnie. Aïe, le service pas bon. Aïe, on peut le faire complainte le radio. Maman, radio là, comme j'ai mis une bonne diaster. Ouais. Donner un moyen pour faire grand complainte le radio. You are not being grateful. Quand nous pensons tout ça là, quand nous pouvons faire complainte, veut dire que we are not being grateful. Nous ne pouvons pas dire merci. Nous ne pouvons pas être reconnaissants. And you are pushing your dream life further away with every complaint. C'est la vie de rêve qui nous peut chercher là, mais n'est pas pour venir de sitôt. N'est pour éloigner, n'est pour aller même. Avec les complaintes qui nous continuent à faire, avec la négativité qui nous continue à mettre dans la vie. Now you understand that complaining. Maintenant, je comprends qui, quand nous fait complainte, negative thoughts, les pensées négatives, and words, et les mots négatifs qui sortent dans la bouche, and taking things for granted, et nous prend toutes les choses comme acquis, stop the good things in your life. Il faut arrêter. Ça, l'énergie quand nous gagnons les bonnes choses dans la vie. Qui pouvait venir vers nous. Now you understand that when something goes very wrong, maintenant nous comprenons que quand une quitteuse a à l'encontre de ce qui nous pétane, quand une chose a très mal, you have unintentionally not been granted grateful enough. Pareil, quand nous pouvons dire, nous pas assez remercier, nous pas assez dire merci, nous pas assez exprimer nos gratitudes. C'est pour ça que nous trouvons cette situation la plus bénie. N'importe quand nous trouvons une situation positive, négative, bienvenue dans nous la vie. Et voilà, une solution c'est quoi?
Start by being grateful. Tellement au départ, tu as un sujet, tu as un paragraphe que tu commences, je te rappelle. Gratitude is riches. Nous te disons la gratitude, c'est la richesse. Et complaint, quand nous faisons complainte, is poverty. La complainte, c'est la pauvreté. It's impossible to be negative when you are grateful. Quand nous disons merci, merci, merci tous les jours, ben c'est impossible d'être négatif dans ce moment-là, dans ce moment précis, n'est-ce pas? Si tous les jours nous lever pendant la journée, nous pouvons dormir, nous pouvons dire merci, merci, merci. Est-ce qui nous peut donner nos consciences, nos cerveaux, les temps pour faire complainte? Non. Donc, it's impossible to criticize. C'est impossible de critiquer quand nous-mêmes, nous sommes gratifiants, nous sommes reconnaissants. Dans ce moment-là, c'est impossible de critiquer. And blame when you are grateful. Ou soit nous pouvons blâmer les autres qui viennent. Nous pouvons blâmer telles affaires. Nous pouvons blâmer le gouvernement. Nous pouvons blâmer la politique. Nous pouvons blâmer telles dîmes. Nous pouvons blâmer nos parents. Nous pouvons blâmer nos camarades. Nous pouvons blâmer la compagnie. Mais quand nous sommes reconnaissants, il n'y a pas chemin. Il n'y a pas une façon pour nous commencer à être négatifs. It's impossible to feel sad. C'est impossible pour nous sentir nous malheureux. Or have any negative feeling when you are grateful. Ou soit nous avons une émotion négative ou pensée négative quand nous sommes dans l'état de gratitude. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period to transform them with gratitude. Comme tu disais là, n'importe quelle situation négative qui vient dans notre vie, n'est pas pour prendre beaucoup de temps pour nous renverser à la situation quand nous commençons à pratiquer la gratitude. Quand nous disons, c'est un signe pour montrer qu'il ne pas assez être gratifiant, ne pas assez être reconnaissant. Donc la solution, c'est quoi? C'est voilà. Réelle pratique de gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. N'importe quelle situation négative vient dans la vie, nous commençons à pratiquer la gratitude, nous trouvons l'île envolée comme une fumée. Et comme par magie. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. À première vue, nous avons trouvé les difficiles. Nous avons trouvé les difficiles pour pratiquer la gratitude dans une situation négative, n'est-ce pas? Pas plus tard que deux jours de cela, avant hier, c'est une situation négative pour toute une famille, de perdre quelqu'un. Et moi aussi, Jesse, il me prend différemment cette fois-ci. Après toutes ces années, qu'il y vive l'eau la terre. Donc c'est difficile de pratiquer la gratitude dans une situation négative. Mais voilà quand nous allège nous-mêmes. Quand nous allège nous-mêmes, nous allège les autres aussi. Jusqu'au moment où nous apprenons, nous pratiquons la gratitude, nous dire merci, merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as partagé, tout l'amour que tu as donné. Fini. Nos pensées changées, nous vîmes plus grands à ce moment-là.
Donc, no matter how bad things are, pas fait non rien comment les choses capables être plus catastrophes, plus critiquants, qui capables venir. You can always find something to be grateful for. Nous pouvons toujours trouver une quelque chose là-dedans pour nous dire merci. Quoi nous dire? Les situations négatives, les situations avec beaucoup de pression, que nous trouver, waouh, nous n'avons qu'à contrôler. Mais voilà, nous apprenons positivement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut faire nous grandir là. C'est une leçon de vie qui nous peut gagner là. N'est-ce pas? Ok? Especially, right? No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for. Especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. N'importe quelle situation négative, nous vous trouve un quelque chose de positif là-dedans. Parce que nous ne connaissons pas cette qui quand nous commence trouve ça quelque chose de positif là-dedans, sa situation négative là. Nous connaît qui nous transforme sa situation là en magie. Ouais. Walt Disney, who knew about the true magic of life, Walt Disney, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Pollyanna. Dans les autres bien écrire Pollyanna, Pollyanna, Pollyanna. C'est un film qui Walt Disney fait. Ouais. Good. Il est conscient, il est conscient de sa secret. The magic of life. Voilà, quand il met ça, il fait un film là. Donc, à part avoir guetté, si je ne sais pas quoi guetter. Pollyanna. This days. 1960 movie. C'est un film, right, de 1960. Pollyanna featured The Glad Game. Ok, le jeu, right, nous allons dire un jeu. The Glad Game, un jeu de joie, right, nous allons dire. Ok, which had a profound effect on me. Rhonda Byrne peut dire. Ce film-là, The Glad Game. Right, movie Pollyanna, featured The Glad Game. Right, it had an effect bien profond sur Rhonda. When I was a child, quand il était enfant. I played The Glad Game, featured in the movie through my childhood and adolescence. Nous avons joué ce jeu qui nous appelle le jeu de joie. Right, The Glad Game, jeu de joie. Dans le film là, vous trouvez. To play The Glad Game, you look for. Right? Pour jouer ça, jeu de contentement là, ok. Pour nous jouer ça, jouer là, right? Voilà quand depuis l'enfance, nous jouer ça, jouer là, right? Et jusqu'à une adolescent. Donc pour jouer ça, jouer là, you look for as many things as you can to be glad about. Qui ça joué là ça? Non, les n'a joué. Non, je fais un joué. Non, qui t'en coûte, qui ça fait qui fait nous heureux? Qui ça fait qui rend nous heureux? Qui ça fait qui apporte la joie dans la vie? C'est un joué là ça. Non, il n'a qui t'en coûte, qui ça fait nous content? Ouais. Un simple petit affaire. Un simple petit affaire. Première affaire, nous n'a ça. Nous portable. Est-ce qu'il rend nous heureux? Ok, top. Numéro 1, mon portable. Nous avons donné le Dieu. Right. Ok, mon réveil. Est-ce qu'il me réveille en moi heureux? Yes. Est-ce qu'il me content comme au guetli? Right. Et ainsi de suite. Comme ça, c'est nous avons une petite chose qui donne nous la joie. Especially in a negative situation. Et surtout dans une situation négative. Finding things to be glad about. Quand nous perdons une petite chose qui fait nous, de nous la joie, qui rend nous heureux, ou finding things to be grateful for, ou soit nous rebondissons une chose qui nous peut dire merci, qui nous peut être gratifiant,
In a negative situation, make the solution appear. Ça veut dire qu'on ne peut faire cet exercice-là dans une situation négative. Qui nous peut le faire? Nous peut découvrir la solution, en fait, là. En faisant cet exercice, nous peut trouver la solution en nous-mêmes. OK? Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna. Là-dedans, il montre ça, sa pouvoir magique de la gratitude. And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said. Et mille ans de là, right, nous trouvons Bouddha qui démontrait comment nous capables servir sa pouvoir magique. Là, ok, et qu'il est dit, ok, Gautam Buddha, ok, 563 à 483 before Christ. Lidya Umha, let us rise up and be thankful. Nous réveiller et nous dire merci. For if we didn't learn a lot today, at least we learn a little. Nous dire merci, même si nous avons réussi à apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, mais au moins nous apprenons une petite affaire. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. Et même si nous n'avons pas réussi à prendre sa petite chose qui nous survient à prendre là, mais au moins nous n'avons pas être malade, nous n'avons pas tombé malade. And if we got sick, at least we didn't die. Et même si nous tombons malade, mais au moins nous n'avons pas mort. So, let us all be thankful. Alors, nous tous ensemble nous dire, voilà, merci. Vous voyez, comment nous change de situation en situation et comment nous amène vers la gratitude. Je te rappelle qu'il m'a dit hier une fois, right? Qui s'est vu parce qu'il comprend quand on dit dash, dash, dash. Ça te rappelle? Oui. Nous disons qu'on a des dates de naissance. Date of birth and date of death. Ensuite, nous avons dash, dash, dash. Point, 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 point. Tiré, tiré, tiré entre les deux dates. Le plus négativité qui est capable d'arriver dans leur vie, c'est quoi? C'est la date de... Date de quoi? Date of death. Date de l'amour. C'est simple. Plus qu'il soit négatif qu'à avariez-vous. Ben, toutes les choses après, c'est banal. Toutes les choses après, c'est banal. Zodi, si tu trouves la solution, comment pour avoir une solution d'un qui soit négatif? N'est-ce pas? With the glad game. Avec sa jeu, arrête de joie là. Nous pouvons gagner une solution dans chaque quitteuse négatif. Start playing the glad game où vous trouvez. Comment jouer ça, jouer là, right? Où vous trouvez qui vous gagne cette solution tout de suite. Quand on nous dit tout problème, il y a une solution. We just have to find it. Same too. Nous avons besoin de trouver. Vous avez un gars, le moyen comment vous trouver. Okay. Let Buddha's words be your inspiration. Nous prenons sa phrase qui Bouddha a partagée là, vie nous inspiration. And today, take one problem. Aujourd'hui, nous allons prendre un problème. One negative situation, une situation négative.
in your life that you most want to resolve? Qui a envie le plus à l'intérieur de vous ou puis envie de résoudre ce problème-là? Azoué sa zoué là aujourd'hui. Il y a un problème, il y a une question négative dans la vie. Ok? Nous avons envie à résoudre ce problème-là. Nous allons résoudre quelque chose qui peut agacer là depuis tant, tant des années, tant de jours. Hein, nous gardons des années aussi. Hein, donc, nous allons guetter un coup, nous allons travailler là. Et l'idée aujourd'hui, look for 10 things to be grateful for. Nous allons écrire 10 quitteuses qui nous disent merci dans la situation-là. Nous allons dire merci pour ce problème qui l'a en dehors depuis tant. Nous allons écrire 10 affaires à ce problème-là. Pour nous dire merci. I know it can be challenging to begin this practice. Me connais. Right? Ça demande du courage de le faire. Right, c'est challenging. Right. C'est un challenge avec nous-mêmes. Ça demande de la force. Ça demande de l'énergie de pouvoir le faire. But Buddha is showing you the way to do it. Ça qui Bouddha me partageait, t'es là. Il montrait où right, la façon de le faire. Zordine, nous levée. Right. Nous arrivons tantôt. Nous pouvons attraper nos Magic Rock, asseoir mon Aldomi. Nous pouvons dire merci pour la meilleure chose qui arrive nous dans la journée. Et aujourd'hui, nous gagnons plus, nous disons Bouddha. Nous disons, ah, yes, aujourd'hui, nous avons envie d'apprendre, maman, nous avons envie d'une LLB aujourd'hui. Nous avons envie d'apprendre un tas aujourd'hui. Nous disons, si vous pouvez réussir à apprendre un tas, at least, nous apprenons un petit peu aujourd'hui. Il dit, même si vous pouvez réussir à apprendre un petit peu, mais at least, ou pas un tombe malade aujourd'hui. Et si vous pas un tombe malade aujourd'hui, right, mais at least, ou pas un quitte sa la terre là, on allait ou pas un mot. Ok. Donc, make a written list of 10 things. Nous allons écrire le papier, noir sur blanc, bleu sur blanc. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. Nous allons écrire 10 quitteuses qui nous disent merci, nous pouvons être gratifiants aujourd'hui dans nos computers, si je peux écrire dans le computer, ou dans ce journal. Ou soit dans ce gratitude journal, journal of gratitude. Right? C'est le copybook qui nous fait spécialement. As an example, comme un exemple, your problem might be that you're out of work. Nos problèmes capables qui nous perdent du travail. Comme un exemple. And despite your best efforts, you are still unemployed. Malgré nous avons fait tous les efforts qu'il besoin, mais nous sommes toujours pas employés. Nous sommes toujours, chômeurs. Nous sommes toujours chômeurs. To magically turn this situation around, pour nous capables de changer la situation, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Nous devons faire une pratique bien concentrée sur sa situation. Donc, nous avons beaucoup de confrères et consoeurs qui perdent leur emploi après l'arrivée du Covid. Ok? Et voilà que nous avons fait un coup comment nous pouvons faire. Nous avons perdu l'emploi, nous pas encore être employés, mais nous avons fait un coup discuteuse comment nous pouvons dire merci. Nous connaissons, c'est très difficile, nous connaissons, c'est pas facile, nous connaissons, ça demande de la concentration aiguë. Here are some examples you might say. Nous avons fait un coup d'un exemple qu'il nous a dit. I am so grateful to have had more time for my family during this period. Qui bon qui te souhaite nous pas écrire là?
Je dis, ok, merci beaucoup. Kimungay, beaucoup plus de temps pour passer avec la famille pendant cette période. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. Je dis, merci pour right, qui me la vie une revenir un peu en l'ordre. Avec sa moment libre qui m'ont gagné là. Mon cas remettre me la vie en ordre. Avec tous ces moments libres qui m'ont gagné là. I'm grateful that I've had a job most of my life and that I'm experienced. Me dire oui, tout ça l'année qui mon travail là-bas là, ben voilà, me vine un homme ou une femme expérimentée. I'm truly grateful that this is the first time I've been unemployed. Je dis merci qui c'est la première fois au fait qui m'ont perdu mon travail et non pas la dixième fois. Voilà comment nous pouvons être manifestement positif dans une situation négative. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. Et moi, je dis merci qu'il y a encore le travail qui peut créer demain, encore nouveau travail qui peut paraître devant moi demain. I'm grateful for all the things I've learned in applying for jobs and in going for interviews. Je dis merci pour toutes les applications interviews qui m'ont fait pour le travail. Et comme on a une interview, ben voilà, on grandit. Right? On vient de mettre dans une interview. Tout mon interview qui m'a allé pour le travail. I'm grateful that I have my health and that I can work. Je dis merci qui m'a encore une la santé et qui m'a encore capable de travailler. I'm grateful for my family's encouragement and support. Je dis merci à ma famille pour ce de l'encouragement et le support qu'ils avaient donné moi. I'm grateful for the rest I've had because I needed it. Je dis merci pour ce repos qui m'a gagné là parce qu'il m'a vraiment besoin lui. I'm grateful that through losing my job, je dis merci à travers qui m'a perdu mon travail, I've realized how much having a job means to me. Je comprends qu'avoir un travail, voilà, c'est très important pour moi maintenant. On a réalisé que le travail est très important pour moi. I've never realized that until now. Qui m'a pas réalisé tout ce temps-là. Donc voilà comment nous capables transformer right, une situation négative. Right, nous récitons 10 quittes qui me disent. Ouais, tu as tout get là, ça tombe bien avec le Covid, avec beaucoup de monde en ce moment qui ont perdu le travail et voilà, dans nos livres la magie, il nous donne ça l'exemple. Ok, donc as a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances. Pareil, quand nous commençons à pratiquer la gratitude, même quand nous avons perdu le travail, voilà que nous pouvons attirer les circonstances d'autres opportunités qui peuvent venir vers nous. And their current situation must and will magically change. Bien sûr, nos situations actuelles pour et c'est sûr que ça va changer. Quand nous commençons à pratiquer la gratitude. The power of gratitude is greater than any negative situation. Le pouvoir de la gratitude est beaucoup trop fort même que n'importe quelle situation négative. And there are unlimited ways that the negative situation can change. Et il y a des façons à être illimitées. Il y a des chemins illimités. Comment sa situation négative là peut changer? All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Tu sais qu'il y en a pour faire. Nous pratiquons la gratitude et regardons la magie qui peut arriver après.
Let's take another example, a son whose relationship with his father is troubled. Nous prenons notre situation. Un garçon qui se relation avec son papa, right, pas en bon terme. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. Le fils dit à moi, ok, n'importe qui a fait qu'il m'a offert, jamais mon papa content. Ou ça nous prend pareil, hein? Ou ça tu filas dit à moi, tout ce qu'il m'a offert, jamais mon papa ou ça mon maman content. Ok? Donc, nous qui t'écoutons, comment nous capables de discuter ce qu'il I am grateful that most of the relationships in my life are really good. Nous prenons une situation, ouais, et nous disons merci, qui, tout le monde des autres relations, ben, elles sont bonnes. Nous ne pouvons pas concentrer nous, l'eau, un seul. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Je dis merci, mon papa, qui peut travailler dur pour donner l'éducation qu'il m'a donnée aujourd'hui et qui lit pas si gagné. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Je dis merci, mon papa, qui me travaille très dur pour supporter ma famille, pour grandir moi depuis l'enfance. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a réalisé que pour travailler et avoir de l'argent, comment faire vivre une famille. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Il dit merci au papa qui m'a amené jouer au basket tous les samedis quand il était un enfant. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Je dis merci à mon papa qui, de nos jours, right, là, actuellement, n'est pas aussi dur avec moi comme il était quand j'étais petit. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. Je dis merci, papa, qui à ce moment-là te dit avec moi, qui à ce moment-là te peut, même si tu besoin frapper et ainsi de suite pour corriger. Mais parce qu'il ne peut care, il peut care pour moi. I'm grateful that through my relationships with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. Ouais. Voilà que le fils peut dire merci au papa aujourd'hui, que voilà, il apprend à avoir la compassion et plus comprendre ses enfants stères. En retour, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Mais j'aime bien si moi pas, comment il peut encourager nous en étant enfant? Et comment ça tu peux servir nous pour grandir un enfant avec de confiance et dans la joie? I'm really grateful when I get to laugh with my father. Right? Mais j'aime bien si quand moi et mon papa tu peux rire ensemble. Some people never got to do that because they didn't have a father. Et nous disons, mais il n'a même pas papa. Vous êtes capable de rire ensemble. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. Et même les autres personnes qui perdent ce papa. Et voilà, je vois qu'on a la chance pour rire ensemble avec ce papa. Encore. I'm so truly grateful that I have my father. Moi, je dis merci beaucoup qui mon papa encore là. Qui m'a toujours aimé mon papa. Because amid the tough times, there have been good times. And there will be more good times ahead with my father. Bien sûr, il y a des situations difficiles, mais si nous guettons bien, nous prenons encore plus de situations, plus de contentement et de joie qui vont encore passer avec moi en pas. Ouais. Donc, comment nous dire? Nous avons un esprit concentré ouais, pour nous capables à tirer sa main discrétieuse qui nous a envie de dire dans une situation difficile. As a result of the son's beautiful, heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. Quand il change son mindset, quand il change l'esprit, à être plus positif,
définitivement la relation entre ce papa et Cli pour améliorer, pour changer. The son changed the way he thinks and feels about his father. Le papa, le garçon, le fils, right, il change la manière de regarder son père. Manière qu'il expliquait de soi pas, il change sa façon. Comment il expliquait de soi pas, c'est-à-dire. Définitivement, en changeant le mindset, en changeant les pensées, et voilà que, which immediately changes what he attracts from his father. Définitivement, il peut attirer plus de bonnes choses depuis son papa, c'est-à-dire. Even though the son was being grateful in his mind, même si de se penser, Ninja merci, même de se penser, right, ni d'être gratifiant, reconnaissant, pour qu'il ne soit pas une faire. At an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Même s'il n'y fait pas de se penser, même s'il n'y fait pas en écrit, pour lui tout seul, mais l'énergie, right, va attirer le pouvoir magique. Le pouvoir magique right, qui pour changer la situation de notre relation. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive four better circumstances with his father and their relationship must begin to improve immediately. Bien sûr, avec la loi d'attraction, right, il contient sa gratitude là et voilà que magiquement, sa relation peut changer. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. Bien sûr, vous pourrez marquer, ou vous trouvez, ou vous dire ou même qui voilà la gratitude marche, right? Dépendant de la façon que vous ressentez. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. Bien sûr, après qu'il nous pratique la gratitude. Nous vous trouvez qui nous vous sentez nous de mieux en mieux. Nous pévine meilleur en meilleur. Okay, the first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. Si une envie était si vraiment le pouvoir de la magie, de la gratitude peut marcher, ben nous vous trouvons nous penser peut élever. Right, nous trouvons nos pensées, waouh, nous sentons nous plus bien dans la tête, n'est-ce pas? Ben, c'est ça qui peut montrer nous comment la magie de la gratitude marche. So when you feel, you do feel better about it, you know that situation will improve and the solutions will appear. Définitivement, quand nous l'état d'esprit comme ça, quand nous l'état d'esprit peut grandir, peut monter, peut de mieux en mieux, right, avec de joie, mais bien sûr, nous vous trouvons right, la solution qui peut apparaître. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work, its wonder in the outside world. Dans n'importe quelle situation difficile, comment nous dire, négative ou difficile, right, nous allons dans la pratique de la gratitude avec les bonnes choses qui nous trouvent là-dedans. Et nous trouvons nous trouvons la magie arrivée là. In making your written list, quand nous pouvons faire nous la liste right, de gratitude, make sure your list each of the 10 things you are grateful for in the following way. Right? Quand vous pouvez écrire aujourd'hui, nous écrivons comme ça. I am so grateful for. Moi tellement right, reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant pour. I'm so grateful for. Après, nous fait nos phrases. Oh, ou son qu'à faire. I am truly grateful for. Je suis vraiment reconnaissant. Ok. Pour. Il nous fait une phrase comme ça. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. Walt Disney, son manière, right? Magical Power qui dit, I'm so glad that. I am so glad. Ça aussi, je suis capable de servir. I am so glad that telles affaires. Nous complète ta phrase. Je suis très heureux. Je suis très heureux, très heureuse que telles affaires. Right? Moi, bien content, right?
pour telle telle affaire. And finish the sentence with what you're glad about. Et finis la phrase avec quelles affaires qui vous content, quelles affaires qui peut faire de nous la joie. Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way of out of negativity practice by writing. On a fini créer aujourd'hui nos 10 skitzes aujourd'hui le magical way out of negativity. Comment nous servir la magie pour nous sortir dans la négativité. À la fin, je t'écris thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Nous disons merci, merci, merci pour sa résolution parfaite là. Si moi dis-moi, quand est-ce qu'il vraiment nous donne sa mot résolution là? Quand est-ce qu'il nous donne ça? Moi, je me donne ça une seule fois, moi. Quand les 31 parlent les premiers, l'année commençait. Aïe, moi, il a sa résolution là. Aïe, moi, il a ça pour faire. Aïe, moi, on va faire ça. Right? Là, maman, belle résolution là. C'est ce moment-là qui nous donne sa mot résolution là. Donc là, c'était The Thing Guy. Voilà. À cause de ça, il dit thank you, thank you, thank you. Merci, merci, merci pour sa résolution parfaite. Ça, c'est la résolution parfaite qu'ils sont capables d'amener dans cette vie. Pour trouver ben qui se positif dans n'importe quelle situation négative. Ça, c'est la résolution parfaite. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. Juste pour aujourd'hui. Fais un test avec vous-même, un challenge avec vous-même. Ne pas dire un qui se négatif qui se donne la bouche aujourd'hui. Challenge vous-même. Essayez pas de dire un qui se négatif qui saute de la bouche aujourd'hui. It may be a challenge. You're capable of a challenge. But see if you can make it through one day. Make it if you're capable of tinyen zou. Comme je dis, nous pouvons dire, allez, allez faire un zou carême là. Un zou carême pour ne pas dire qu'il soit négatif. Depuis dans la bouche. Ok. There is an important reason to do this. Il y a une raison importante qui fait un pays, hein, qui fait un pays faire ça. Qui fait Rwanda pays faire ça. Because most of us have no idea how much we speak negatively. Parce que personne d'entre nous ne peut n'avoir aucune idée qui quantité nous cause négativement tous les jours. But you will have an idea after watching your words for one day. Mais là, on peut gagner une idée, effectivement, comment nous peut cause négativement tous les jours. Quand nous pouvons faire sa pratique, ne pas cause négatif là aujourd'hui. Remember that negativity and complaint bring more of those things. La négativité et la complainte, ils peuvent attirer beaucoup plus encore vers vous. N'est-ce pas? Je comprends le processus maintenant. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Et là, imaginez, si je conscience de Zodi, à partir, enfin, depuis qu'il nous commence la pratique, si je conscience de qu'il n'y a pas de quelque chose qui me peut le dire, si je peux envie qu'il y ait quelque chose à venir vers vous, donc là, c'était Zodina, le pouvoir de l'arrêter et d'empêcher sa situation à venir vers vous. Comprenez? Parce que nous disons, c'est une cause qui sont négatives, qui vous viennent vers nous, plus de négativité pour venir vers nous. Comprenez? Donc là, si nous commençons, aïe, il a sapé là, il a sauté là, nous avons le pouvoir d'arrêter, de l'arrêter. Pour nous parler à Thierry, pour nous faire venir vers nous.
Okay. Here is a magic lifeline. Sorry. Here is a magic lifeline. Then we want to set a line magic, right? Lifeline. Right. You can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Right. C'est un petit indice, un petit astuce, nous allons dire. Si jamais tu peux trouver ce perdien qui soit négatif, qui passe dans ce tabou, qui sera l'année qui nous garde là. But I have to say that I'm really grateful for. Tout de suite, si jamais une dienne qui soit négatif, il n'a sorti, comme ça. Mais tout de suite après, nous dire, but I have to say that I'm really grateful for. Mais c'est moi, je vous dire que je suis très reconnaissant pour. En place, je change la situation. Je change la phrase négative qu'ils ont fait dire là. Tout de suite, nous allons nous acquitter d'un quelque chose de positif là-dessus. Vous comprenez? Ça demande de la pratique. Bien sûr, il faut pratiquer. Bien sûr, il ne va pas pour fuir ici faire d'un jour. Right? We play the game today, the glad game, and we play this no negative word game. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Je ne dis que c'est négatif, mais la phrase qui m'a dit là, but I have to say that I'm really grateful for. Mais seulement, j'ai besoin de dire que, voilà, je suis très reconnaissant pour. Fini phrase là, n'importe qui ça fait qui vient dans ta tête. Trouve une petite chose là-dedans. Mais fini la phrase. Take this magic lifeline with you today. Prends ça, petit indice, petit astuce là aujourd'hui. And grab hold of it whenever you need it. N'importe quand, je vous ai servi. Et voilà, je t'ai un lit dans ta main. Je t'ai un lit dans ta poche. Servi. Ok. And if any little problem or situation appears in the future, dans le futur, si jamais, right, un petit problème ou soit une solution, une petite situation négative peut paraître, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. N'importe qui petite situation, n'importe qui petit problème peut paraître là, imaginez pour commence rempli lit avec de la gratitude avant qu'il cette situation là vienne comme ça, comme un gros diffé. Alright. Voilà comment nous garde en pesti vienne un gros diffé demain. At the same time, you will ignite the magic in your life. En même temps qu'ils ont pu faire ça, voilà, nous perd la lime, la magie dans cette la vie. En même temps, nous perd l'empêche, ce problème-là grandit encore. Ok? Donc voilà, nous arrivons à la fin de nos chapitres aujourd'hui. Right. Pratique d'aujourd'hui qui nous a pour faire. The Magical Way of Negativity. Pareil, numéro 1, nous allons dans le contenu 10 bénédictions. La liste de 10 bénédictions qui nous vous dit merci tous les jours. Et le pourquoi nous peut dire merci. Quand nous finissons nous 10, la liste de 10, nous relions chaque phrase. Et à la fin de chaque phrase, nous disons merci, merci, merci. Ok? Choose one problem. Nous allons choisir un problème. Nous allons choisir une situation négative dans notre vie, dans nous la vie, that you most want to resolve, qui vous peut envie de résoudre le problème. Ok. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. Nous allons regarder qui est négatif aujourd'hui. Nous allons écrire 10 bonnes choses de sa situation négative. Nous allons trouver 10 qui est de bon. Qui nous n'a pas écrit l'oracle qui soit négatif. At the end of your list, write. À la fin de la liste, quand une fille fait la liste, dans le cahier, je t'écris thank you, thank you, thank you for
the perfect resolution. Merci, merci, merci pour sa résolution parfaite. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. Juste pour aujourd'hui, essaye de voir si tu es capable de pas dire un qui soit négatif aujourd'hui. If you notice yourself thinking or saying something negative, si vous pouvez trouver ou remarquer qu'il y a un qui soit négatif, use the magic lifeline. Nous servons ça, indice magique, ça astuce magique là. Stop immediately. Nous trouver un nouvel qui soit négatif, arrête en place. Nous change la phrase. Nous dire, but I have to say that I'm really grateful for. Nous change la phrase, en place, nous dire, mais c'est moi, c'est qui m'a pour dire, mais je suis vraiment reconnaissant pour. Nous allons trouver une phrase, une complète phrase. Dans la situation, dans le moment qui se peut dire qui est négatif. Just before you go to sleep tonight, avant que vous alliez dormir aujourd'hui, we hold the magic rock in our hand. On attrape la magie avec nos roches magiques dans nos mains. Et nous disons merci pour la meilleure chose qui n'arrive nous dans la journée d'aujourd'hui. Ok? Donc voilà. Nice. On arrive à la fin du chapitre numéro 7. Ok? Super, top, génial. Et voilà, l'aventure continue. Et moi aussi, c'est certain. Right. Tout un chacun. Right. Mot unmute en même temps. Et moi aussi, c'est certain que tout un chacun. Ok, alright. Définitivement. Mais trouve la différence que ça fait depuis déjà 7 jours. 6 jours déjà, aujourd'hui le 7e jour, et voilà comment ça se passe avec The Fabulous, The Magic. Okay. Donc voilà, merci, 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 et voilà d'être connecté. Right. Et là, mon pensée, pas de récit, gain de connexion, et là, tu rentres, et là, je trouve une ressortie, t'as pas de problème de connexion même. Right, donc, vraiment, super top, génial. Et Zodi, c'est une autre solution pour n'importe quelle situation négative. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, voilà l'idée. Merci, merci, merci encore une fois. Bon dimanche. Ouais, bon dimanche et yes! Souriez! Ouais, restez souriante. Restez souriante. Ok. Voilà, si quelqu'un a envie de partager, right, mon expérience qu'ils ont gagnée depuis, right, 6 jours une passée déjà, depuis la pratique, right, si quelqu'un a envie de partager, yes, vous êtes libre. Right, donc on va faire. Oui, il y a tellement d'émotions, complètement coup dans l'émotion là. Top. Super, j'en profite toujours. Je dis merci à Bernard Thieu, right, mon ami, Audi Squad. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Devika Bowen, Sylvana Sylvana Sukia, ok. Yudish Jakori, Destroyer, Titra Brismohan. Très bien, super top. Bravo. Et voilà. Merci, merci, merci. Good. Sylvie, tu m'as vu causer? Mon mute, en tout cas. Mon mute. Je pensais. Ah, sorry, sorry, sorry. Pas de. Ah, mais je pensais. Oui, bonjour, bonjour. Mais je pensais mon mute. Et quand mon rentrée vite, après une soirée. Moi, je connais que ça, mais je connais l'internet, ça. Après, faire des manches, après 20, 18 minutes, vous aurez gagné.
Correct. Vous prenez moi 10 minutes là qui te le faire. Quand tu te commences. C'est pas tu fais l'exercice, mais pas connu. Mais c'est que moi, je suis content que maman rentre et te paie rentre dans la gratitude. Après, une récoupée encore, me dit ah là là. Ça coule là, courant, Emin. C'est pas pour qu'à faire, non, c'est courant, une coupée qui m'a bon. Me dit comme ça, mais bon, c'est courant, une coupée, ça veut dire, moi, pas presque comme ça, maman fait l'exercice. Je commence à faire l'exercice. Après, 10 minutes, regain courant. Je me disais, bon, regain courant, m'aurait essayé avec un petit peu de problème. C'est justement, m'aurait gagné. Quand m'aurait gagné, je me disais, bon, merci. C'est qui m'a gagné beaucoup, surtout, comme on pense mon papa. Surtout, on pense mon papa, parce que tout le temps, moi, tu penses mon papa avec une, comment dire toi, avec une mauvaise pensée. Parce que tellement, tu sais, hein. Oui. Tellement il était sévère, moi tu pensais avec un mauvais pensée, moi tu te dis sévère moi, manière qu'il t'a amené moi. À son dit, il est là comme on peut penser, moi dis à lui merci, parce qu'il est grand, il connaît qu'il fait un petit peu sévère au moins, peut-être c'est pas si sévère au moins, ou pas tu peux venir, c'est que moi il était, dit, peut-être moi tu peux venir une plus de la l'écran qui était, parce que moi tu es un peu insignifiant. Oui. Moi tu es un peu insignifiant, mais tout le temps moi qui l'intéresse contre mon papa, moi tu dis à mon papa pas content moi. Je me disais, jamais, tout le temps, je me disais, mon papa pas content moi. Tout le temps, je me disais, je me révoltais tout le temps avec lui. Même si tu l'as, je me révoltais quand il y a longtemps, l'école, tu payais. Mais tu disais, mon papa, tu payais, il ne paye pas moi l'école. Je me révoltais contre qui fait moi, je suis envie à le connaître, je suis envie à l'école. Je me disais, une mauvaise pensée, je me disais comme ça, bon, c'est parce qu'il. Moi, une petite fille qui n'est pas payée l'école, si moi j'ai une gorge, moi je paye mon école. Parce que tout le temps, moi je pensais qu'il ne m'a pas une mauvaise pensée, que moi je me disais, tu pensais envers ma petite fille. Moi je pense ça. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à comprendre qu'il fait l'étudier avec moi. Parce que l'étudier avec moi, parce que s'il n'est pas tu faire comme ça avec moi, aujourd'hui, je ne suis pas tu pour venir comment moi aider. Mais malgré moi, j'ai dit merci. Mais quand même, il n'est pas fini à moi à l'école, mais je suis capable de dire merci. Mais ceux qui me connaissent déjà, peut-être si je ne suis pas à l'école, je ne suis pas à faire collège, je ne suis pas connaître ce qui me connaît aujourd'hui, ce qui me capable de dire aujourd'hui, ce qui me capable d'écrire aujourd'hui, ce qui me enfin, ce qui me vivre aujourd'hui, peut-être si je suis connu, je ne suis pas capable de casser la tête de tout ça là. C'est parce qu'il ne m'a pas connu, qu'il m'a dit merci qu'il ne m'a pas connu. Allez, profite. Je ne m'a pas connu, une grande affaire, mais maintenant, je ne m'a pas connu, merci parce que le premier jour qui connaît, qui fait l'université, c'est que moi, je peux gagner, les autres ne peuvent pas gagner. Voilà. C'est ça que j'ai envie de porter un peu. Très bien, merci. Sylvie. Aujourd'hui, profitez. Allez créer 10 skitseuses de ton papa aujourd'hui. Merci, Sylvie. Ouais. Oui, merci, M. Kajraj, parce qu'il peut définir ce livre-là, mais il est extra content. Mais je vais comprendre plus bien. Peut-être si moi je pouvais en lire dans le coin, je pourrais comme ça même. Moi, je ne pas trouver les temps, mais je peux tenir les temps le matin, je peux prendre le livre-là, je peux expliquer le livre-là, comment il était, de façon à nous aider, changer la vie. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Bonjour. Très bien. Bonjour, M. Kavé. Bonjour tout le monde. Oui, Mina. Aujourd'hui, je me connecte, je me connecte 15 minutes après, pour connecter faire, parce que mon papa vient de mourir aujourd'hui. Ah, mon papa qui parle là, il vient de mourir. Wow. Je suis bien content, oui, je suis extra content. Je me reste un peu le temps avec lui. Ok. Je vais qu'il n'est pas là. Super. Oui, je suis extra content. Top. Voilà. Et après, la façon qu'il vous explique, la façon qu'il vous explique là, il n'est pas pareil quand vous dites, il est comme ça. Vous faites une halte de nous, de nous les passer. Après, ils ont dit une chose beaucoup là, papa, comme coïncidence. Coïncidence. Oui. Merci beaucoup, M. Kavé. Coïncidence. Top. Bravo. Super, la magie. Voilà la magie. Oui, c'est la magie. La magie. Ah oui. Voilà. Mais moi. Yes. Continue. Allez.
Moi, Gravi, quand elle cause qui perdit le travail, qui banne l'avantage, qui nous est là. Mais moi, je me retrouve moi à 100% dans cette situation-là, parce que moi, je te connais, nous, on va être fermés fin de novembre. Mes premières affaires qui me sont grateful, qui me éprouvent de la gratitude, si je ne suis ça, je ne suis pas capable de profiter de ce qui nous fait vivre actuellement. Mais si normalement, si c'est grand, on peut sortir, on peut garder le pépin, attraper le transport, l'eau, l'obstacle. On a un bon bout de marché de chez moi jusqu'au l'obstacle. Il est grand, il garde le pépin. Mais moi, je trouve premièrement sa magie là, sa magie qui nous fait vivre actuellement là. Et aussi, je trouve beaucoup l'avantage qui ne m'a pas fait travail, mais qui m'a fait réussir, qui m'a fait arriver à faire. Il y a beaucoup, vraiment, ça veut dire si nous prenons côté négatif, nous ne pouvons pas vous trouver, mais dans la négativité là, nous trouvons combien qui se sont positives là. Et pour ça, je me dis merci, merci, merci. Et pas juste 10 semaines couvertes, mais je trouve en même temps, qui te explique, je trouve beaucoup plus que 10. Beaucoup plus. Merci, merci, merci. Exact. Top, nous trouvons. Right. Voilà comment il y en a qui se sont positifs dans le négatif. Right. Et qui ne nous pas entraînent. Peut-être que nous ne pas faire ça, nous ne pas réaliser ça. Nous ne pas entraîner pour guetter ça, vétaliser là, n'est-ce pas? Voilà. Nous ne pas être enseigné pour guetter ça, comme ça. Ouais. Voilà que nous disons merci Rhonda. Merci Rhonda. Yes, Sanjeev. Merci, Joss. Yes. J'ai envie, comment nous tenons avec nous, papa, j'ai envie d'ajouter un but par rapport à ce que Sylvine dit. Et moi, ça fait plus qu'une vingtaine d'années que mon papa a décidé. Je commence à l'envers. Portage ça, me fait portage à l'envers. Depuis que mon papa est décédé, il y a un jour qui passait sans qu'il m'a permis de tu sais qu'il me fait quoi. Parce que c'est après cela mort qu'il m'a regagné toutes les réalisations. Ok. Vous savez, quand mon papa est là, depuis enfant, il était vraiment, vraiment sévère. Et jamais moi, tu es arrivé à comprendre qu'il fait aussi sévère que ça, et moi, tu prends lui comme un ennemi, et moi, tu haïs lui aussi d'une certaine façon. Parce que jamais moi, tu peux comprendre qu'il peut faire quoi. C'était sa façon de faire. Il y a une personne qui n'est pas tirée à l'occasion à l'école, mais malgré qu'il n'est pas tiré à l'école, il tient beaucoup de connaissances. Mon papa n'est pas petit à ça. Et grâce à lui, il y a vraiment beaucoup de services de cette sévérité qu'il tient. Que s'il va faire ça, et mon avis, c'est capable de la ouvrir. Oui. Il n'empêche pas de gagner beaucoup de fréquentation. L'une dépense beaucoup d'argent pour vivre à l'école, payer mes leçons. L'une permet moi d'aller pour l'école primaire, pour le collège. L'une permet moi aujourd'hui de bout le mot de pied, d'aller travail, pour que je sois capable de vivre, pour que je sois capable de faire des choses. Mais pendant des années d'enfance et d'adolescence, je me suis dit que vraiment, vraiment mal comprendre. Ouais. Ok, mais super. Tout ce que l'une fait, l'une rend un service énorme, énorme, énorme. Voilà, et voilà. Ça. Top. Ouais. Merci, merci à tous, merci à super toi, top. Merci à tous. Super, Sanjeev. Merci. Nice. Bravo à toi. Bravo à toi. Right. Et... Ah oui, moi je suis maintenant mon papa encore là, donc cause mon papa, même pense mon papa, mais chaque semaine, quoi, des fois, il vous a fini avec moi. Pourtant, il a 82 ans, il compte sur le dos du divin. Si une semaine n'est pas venu, mon papa n'est pas venu. Mon père a sonné, mon père a demandé que c'était qui. Mon maman, mon papa, tout est encore là. On vous a dit merci à eux et merci Kavien aussi. Merci. Quand je suis cause d'orgeuse, nous t'y dis allez, si maman, papa, au cola, allez à Miley, allez, Gianni, merci beaucoup. Ouais, la portage, c'est l'énergie là, qui nous peut recevoir là, avec Zot. Ouais, profite ce moment de le faire. Ouais. Et yes, donc ça, voilà. Comme moi à côté, papa, mon business fait des rires. Nous comme aller on t'appelle Yves. Il compte là on peut dire qu'on a dit gay, resté. OK. Très bien, top. Et là Zodizo, nous qu'a dire oui, pas besoin d'attendre une semaine à cette. Zodizo, nous on a téléphone malin à cette. Oui. Nous fait rier. Fait rier le téléphone à cette. On vous a causé avec eux. Donc voilà, super. Merci à ça. Merci à ça. Écrire, merci à ça. Et puis, faire moi connecter avec moi, maman, pas tous les jours. Ouais. Donc, voilà. Merci. Voilà, c'est ma petite chose qui nous oublie, nous prend ça comme acquis.
nous prend ça comme acquis, n'est-ce pas? Hein, c'est pas acquis. Il nous a dit, mais si c'est inventeur là, mais si c'est inventeur là, qui a pensé pour créer ça. Right. Donc voilà comment toute chose a de l'importance dans la vie. Et voilà comment nous trouver qui la vie aime, c'est de l'énergie. Comment on attire beaucoup plus de choses encore, n'est-ce pas? Right. Oui. Mais Einstein, une fois, je rappelle, le plus grand génie du monde. Right. Quand il aime de ce travail, quand il dit oui, quand il fait n'importe qui travail, il dit merci pour un dimon qui est ancien avant lui, qui ne fait pas une quitteuse avant lui. Right. Donc, voilà. Good? Nice, mon pégé qui est réveillé. Pour le travail. Right. Donc, yes, d'accord, ça veut dire ça à chaque fois. Voilà, top. Ouais, merci. Ouais, moi, je vous contacte, ça va être encore. Right. Pour nous partager. Right. Merci. Comme moi, on a petit fait le samedi, dimanche. Right. Donc, voilà. Nice. Bonne journée. Bonne journée à tous. Gros bisous. Oui. Merci. Beaucoup d'amour à tous. Bonne journée. Bonne dimanche. Allez, pareil. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée à vous tous, merci encore. Merci. Merci encore. Tu peux le job, ça va être extra. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Ok. Très bien. Allez, salut. Et voilà, une session terminée ce matin, dimanche, et yes, voilà comment la pratique se passe de jour en jour, right, et voilà comment l'IPFNO vient de mieux en mieux, right, de comprendre la vie et de prendre la vie très légère, right, et avec le sourire. Et que toute chose aujourd'hui que nous trouvons nous cause de négativité. Et voilà que, yes, nous capables de trouver la positivité dans la négativité. Right. Et voilà quand... C'est ça qui nous causait, non? Right. Quand nous continuons à causer la négativité, nous pouvons attirer encore plus de négativité vers nous. Ben, au lieu d'attirer plus de négativité, ben, nous trouvons une positivité dans l'air. Et nous commençons à arrêter le processus et nous commençons à attirer la positivité vers nous. Donc, merci à tous d'être connectés ce matin, dimanche. Right, et je connais dimanche, c'est la grâce matinée. Je connais beaucoup, profite de ça parce que je travaille pendant une semaine, lundi à vendredi ou lundi à samedi. Donc, merci de venir ouvrir la porte et joindre à nous et de se connecter à cette famille formidable que nous sommes depuis déjà tant de jours ensemble. Et voilà. Donc, FK style, c'est mon style de le faire. Et comme je dis, vous voyez dans mon post, FK style, FK way, FK gratitude, FK magic, FK smile, FK way to change the world. Ok, ça c'est ma façon de changer le monde. Pareil que moi, petit dire la phrase, si votre vie ne vous fait pas sourire, changez-la. Ok, changez-la. Right, c'est vous et vous seul qui peuvent changer votre vie. Ok, pas personne d'autre. Ok, gros bisous à tous. Be kind to one another. Stay humble, stay honest. Et keep smiling. Cheers, on se retrouve demain. Allez, bye bye.